vlog, nous sommes dimanche, nous sommes invités à manger chez ma maman ce midi. Je dois m'occuper des desserts, il est 11h15. Il faut que j'aille à la boulangerie. Et au retour, avant de repartir, je vous montre ce que j'ai reçu hier. Je suis rentrée, je me suis attachée les cheveux, il a commencé à pleuvoir, donc plus pratique. Je vous montrerai plutôt chez ma maman les gâteaux, que tout est bien emballé, comme prévu. Regardez, je me suis passé une petite commande chez les collègues. Deux gars et un chien sur la chaîne YouTube et de leur boutique, en fait, ils font des bougies qui sont très bons, qui sont super jolies. Dolly and Jack, je vous montre ça tout de suite. Une de leurs trois nouvelles bougies dans la collection Hommage à l'Orient. J'ai pris les 1001 nuits. Ça sent tellement bon. Les garçons, leur flyer est top. On est vraiment sur une gamme artisanale, naturelle, fabriquée avec de la cire de soja végétale. Donc c'est le top du top, il n'y a pas d'OGM, c'est cruelty free. Une cire qui est non toxique. Voilà comment ça rend une fois la bougie ouverte. Ça te diffuse une petite ambiance. Ils ont donc la gamme Coffee Shop et j'ai choisi la senteur cappuccino. Comment dire que c'est un petit peu dangereux dans le sens où t'as envie de la manger. T'as envie de la manger clairement cette bougie, regardez. Oh là là, c'est super mignon. Ça sent bon, je l'ai fait sentir à Eric les yeux fermés, mais qu'est-ce que c'est? C'est impressionnant. Oh, c'est dingue d'avoir des arômes tellement réalistes. Et c'est présenté pour cette collection dans des petites boîtes cartonnées avec le stickers. Pourquoi pas? On se recule, toujours se reculer quand on fait de la déco, même pour regarder un tableau. Ouais. Et pour changer, j'attends Eric. Je lui avais dit, on part à midi. Il est midi 7 et il est dans la douche. Oh, c'est pas gênant, hein. C'est dimanche. Ouais, elle est cool. C'est bon, t'es prêt? Pardon? Tu es prêt? Il est quelle heure? Midi. Ben, on est en retard, là. Allez, dépêche-toi. Oh, oh, le pain est tout chaud. Il est croustillant. Oh, ça sent bon. Je te vois, hein. J'ai déposé les baguettes et il était sur le point de les manger. Mais oui, je balance, je le dis, moi. Oui? Si tu m'aimes, tu tapes. Un... Pff, quel carnaval, celui-là. Ah là là. Parmi les 6 gâteaux, j'ai repris, je sais pas si vous me suivez sur Insta ou en vlog, les crêpes avec les embouts, il y a du chocolat, de la chantilly, c'est délicieux, j'en ai pris deux. Bon, tout le monde n'aime pas, donc j'ai pris d'autres choses, mais ah là là, il pleut à fond là, je suis dégoûtée. Bon bah je suis chez ma maman, on est au dessert, je n'ai pas vlogué, je vous montre ça, ce sont les fameux desserts, ils sont dans la chantilly. Oh. J'ai pris ça, je sais que ma maman l'aime bien, c'est les millefeuilles, le framboisier qui est très bon, et un classique petit éclair. Non, bah je n'ai absolument pas vlogué quand j'étais chez ma maman. Je vous ai montré les gâteaux, c'est génial. Je me suis mise à l'aise, je sors de la douche, et oh, je me suis encore pris des commentaires. C'est souvent. Je crois que je supporte plus. En fait, ça me saoule, les critiques gratuites sous les vidéos et tout. J'ai plus la patience, je bloque, je vire. Je lis à peine. Oh là là, c'est fatigant. Et je voulais vous dire autre chose. Oui. Est-ce que vous connaissez... Attendez, je vais vous montrer ça, ça sera plus simple. J'ai pas encore testé, je l'ai acheté, mais j'ai pas encore essayé. Bon, je pense, on en entend pas mal parler, l'huile de CBD sublinguale. Donc on met des petites gouttes. Ou en version infusion, comme ceci. Mais alors celui-ci... Il me semble quand même, il y a du THC, mais c'est inférieur à 0,2%, donc c'est légal. Alors que là, il m'a dit, c'est lui, Certinal, qui le fabrique, il n'y a pas de THC. En gros, ça vous permet de... Bah, c'est anti-douleur. Moi, c'est pas vraiment pour la douleur, si ce n'est si, c'est pour mes migraines, parce qu'il semblerait que ça fonctionne bien. Pour tout ce qui est stress, anxiété, détente, ça marche aussi. Pour vous dire... Il semble dire, ça me paraît quand même ouf, que ceux qui souffrent de fibromyalgie, donc le truc qui te fout des douleurs atroces, il semblerait que ça fonctionne. Donc, je me suis dit, j'ai peur, hein, j'ai peur de le tester. Bien agité avant l'utilisation. Dites-moi si vous connaissez, surtout si vous avez testé. J'appréhende, mais il m'a dit non, il ne peut pas y avoir d'effet secondaire, si ce n'est vous faire du bien et vous détendre. L'huile de CBD. Évidemment, quand j'aurai testé, je vous ferai un retour parce que si
ça peut vraiment m'aider au niveau des migraines et compagnie, mais trop bien quoi, trop bien. Sinon, j'appréhende un petit peu parce que demain, c'est la première fournée, les premières personnes qui ont commandé la box de juillet vont la recevoir. Donc, c'est comme un petit peu à chaque fois une renaissance. C'est la deuxième édition, j'ai commencé avec celle de juin. Et j'appréhende un petit peu, forcément, hein, même si moi, je la trouve super, j'adore. Je vous reprends le lendemain, donc ma peau peut-être pour vous est un petit peu bizarre, c'est normal, je reviens. Je viens de faire un soin mésothérapie, un soin profond en fait, pour réhydrater ma peau. C'est quelque chose que j'avais fait il y a 3 ans qui est top. Je devais le faire il y a 1 an et demi et on a été reconfinés. Après, flemme, je ne l'ai pas fait. Parce que ma peau, elle est toujours, hein, le temps que ça fasse effet, dans un état de déshydratation extrême. Il me l'a même dit en mettant les aiguilles, parce que oui, ce sont des aiguilles. Ça faisait crack et surtout, alors c'était un peu douloureux, et surtout, bah, t'as les points d'impact, ça marque. J'ai des petits points rouges, des petits boutons, voilà, mais ça va partir. Mais à un moment donné, les sérums et les crèmes de jour, t'as beau t'en badigeonner comme je fais le matin et le soir, je continue, c'est très bien en combo, mais il faut booster, il faut aider si tu veux vraiment que ça réhydrate, parce que là, c'est vraiment en couche superficielle, alors que là c'est vraiment dans le derme. Pas excessivement cher, franchement la méso, là c'est 100 euros, et puis ça dure vraiment, vraiment dans le temps. Je n'en fais pas la promo, hein, c'est moi qui ai payé, il n'y a pas de partenariat et tout, mais voilà, parce que vous allez peut-être vous dire, ah mais tu as plein de... Parce que ça peut durer plusieurs jours, moi j'ai pas mal marqué, donc autant vous le dire. Je ne fais pas une poussée d'acné, mais c'est bien ce soin. Je pense que ça va s'apaiser, parce que tout à l'heure, je suis revenue il y a 2h30, pour le coup, heureusement qu'il y avait le masque, parfois ça aide. Je suis allée chez Feuillette, je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai pris, mais c'était pas très bon, c'était pas très très bon. Retour de chez Feuillette, voilà. J'ai pris plein de sandwichs, mais putain, c'est chiant, t'es pressée là-bas, tu vois, t'es censée savoir, mais moi je sais pas ce qu'il y a, donc ils disent, vous voulez quoi? Je peux ouvrir une boutique là. Alors nous avons pris, enfin j'ai pris poulet tandoori, mozzarella pesto, ça c'est froid. Celui-ci, jambon et matal, je crois. Et celui-ci doit être chauffé, des petits oignons, du steak et tout. Ça a l'air cool quand même. Voilà, petite pause repas terminée. C'était pas terrible. Hein. Le pain, c'est abusé. En plus, le fromage était un petit... Bon, bref, c'était pas top. Feuillette, calmez-vous. Quoi. Et oui, concernant la box de juillet, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Celles et ceux qui l'ont commandé, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas reçu, parce que j'ai envoyé la première fournée. Je ne pense pas qu'il y aurait autant de commandes, donc il a fallu que je refasse des commandes de fournitures. Je les attends, après je vais créer vos box et les envoyer. Donc la deuxième fournée dans une semaine à peu près. Et ceux qui souhaitent commander l'édition de juillet, vous avez jusqu'au 10. Donc nous sommes le 6, ça va aller très vite. Je dis ça. Pour l'heure, je vais vous laisser parce que Caro a énormément de boulot et je prends du retard et il faut que je range aussi la maison. Beaucoup, beaucoup d'organisation. Je vous laisse, je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite pour... vous verrez. Allez, bisous, ciao, salut.